C'est de la grêle ou quoi, mais ça a l'air d'être de la grêle. C'est bizarre quand même. C'est bon, Nono? Voilà les gens, vous ne me voyez pas, je suis à contre-jour. On s'en va, là il y a Nolan derrière, hop, Chouchou il est à devant. On s'en va au magasin de jeux vidéo, là, le Game Cash, là où Chouchou va tout le temps, pour changer un jeu vidéo. Et on y va en famille, pour bouger quoi, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que t'as, chat? Ah, bon, elle est partie faire le tour. Ouais, Léa est partie promener Fidji. Elle doit être en bas. Elle a dû remonter, non? On a dû la croiser. On a pris des équerres pour l'école de Nolan parce qu'il y a une des maîtresses qui nous demande des équerres. C'est aussi qu'on s'en est gavé. Ouais. Et là il est midi, on s'apprête à aller manger. J'ai raté mon Dyson à ça. À ça, je suis dégoûtée. C'est plus qu'à ça, oui. Oui, plus qu'à ça, mais ouais. Franchement c'était une belle offre quand même. C'était le Dyson V7 Cord Free à 299 avec 4 accessoires en plus du V8. En gros, qui s'adapte sur le V7, et franchement, c'était the off quoi. 299 euros, c'était pas demain que j'aurais trouvé cette offre là. Et bon, j'ai pas trop. On n'a pas trop les moyens de les mettre dans un Dyson, mais franchement, je vous avouerai que le 10 fois sans frais était, était limite à ça quoi. Enfin, moi j'étais presque prête à faire un effort parce que c'était le Dyson. Tu as fait 3 allers-retours, il n'y aurait plus de batterie. Mais je m'en fous, j'ai pas 36 millions d'allers-retours à faire, j'ai pas une villa, hein. J'ai un T4, ça va. Il y a toi, on a un truc, c'est bien aussi, ça s'appelle le balai, on a la maison. Ouais d'accord, le balai, ouais. T'as vu comment ça fait le balai, ouais. Tu vois que c'est mieux ton Dyson, honnêtement. Moi je laisse-moi tranquille. Et toi tu trouves que c'est mieux tes DVD là de merde là à chaque fois. Bon, voilà, ça coûte pas 300 euros. Différence. Ça plus ça plus ça, ça coûte combien à force? Moi je les ramène. Et alors moi je le ramènerai quand ce sera marché plus. Je prendrai le V11. Ouais. Mais oui. Je te pose des solutions, moi je vais te trouver des solutions. Bref, du coup là on va aller manger et après je crois qu'on rentre. On a passé une petite matinée de 2 heures dans les magasins tranquille à se balader. C'est pas non plus la folie, mais ça nous a occupé. Je vous ai montré le chat au fait qu'on voit tout le temps quand on va au magasin de. Ah merde, je vais où là? À Leclerc, chérie. Pour bon, j'ai à Leclerc. Mais parce que tu avais envie d'aller à Leclerc, je sais. Mais non, parce qu'on devait aller. Je sais pas. Ah oui, action. Pourquoi? Mais pour trouver un truc en non. Ah bon. Okay. Bref, je vous ai montré le chat. C'est le chat qu'on voit tout le temps quand on va au magasin de. Non, on voit pas de jeux vidéo pour Chouchou. Oh, je suis toujours toute. Non, y a rien. Voilà. Et c'est un chat qui louche, il nous fait trop rire. Il est toujours en train de sauter partout, toujours il est très câlin, très avenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il va reculer jusqu'à quelle heure? Ah, il tourne là-bas. Ah oui, en gros, il a vu que t'allais arriver, il s'est dit hop, 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 je vais prendre la place. Bref, on s'arrête apparemment à Action, qui est juste là. Voilà. Nolan cherche l'espèce de mode qu'il y a en ce moment, c'est le Strings.
Non, ce n'est pas un string, mais un string, c'est une espèce de une grande ficelle multicolore et avec laquelle il fait des formes formes géométriques, la tasse de thé, la tour Eiffel, enfin bref, voilà. C'est l'accessoire du moment dans les cours de récré, c'est soit ça, soit la toupie, et autant vous dire qu'une toupie ça coûte plus cher que le string, et encore je connais pas trop le prix, mais je pense que ça va être un truc super cher par rapport à ce que c'est. Vient de partir aider son pote à faire déménager une voisine qui habite juste à côté qui déménage. Moi du coup j'ai des corvées de linge qui m'attendent, enfin de la corvée de linge, et les petits en attendant Chouchou se sont mis devant Beethoven, enfin Léa est devant sa, comment on appelle ça déjà, Switch, j'allais vous dire Swift, et Nolan sûrement pas contre la télé, ça donne moi ça, donne, je veux pas le voir ici Nolan, donne. Merci. Et bref, donc Nolan est en train de regarder Beethoven et Léa est devant sa Switch. et voilà quoi, tout simplement, on va se poser un petit peu, on va digérer notre petit restaurant en famille puisqu'on est allé au bistrot Régent. J'ai pas beaucoup filmé parce qu'on était juste à côté du comptoir des serveurs, et puis enfin bref, on était à côté de l'entrée et tout, enfin bref, c'était pas le moment de sortir son appareil photo quoi. Donc je me suis faite discrète, mais on a super bien mangé. Bon, Nolan n'avait pas beaucoup mangé lui par contre, parce qu'il avait déjeuné assez tard par rapport à nous trois. Et voilà quoi, tout simplement. On a super bien mangé, je me suis fait un dessert avec... c'était des fraises avec de la chantilly, enfin, c'est le dessert que je prends tout le temps. C'est des sacrés pustules là en ce moment. C'est mon instant, mon passage du mois, si vous voyez ce que je veux dire. Et oui, donc c'était des fraises chantilly et j'ai demandé un supplément de Nutella qu'ils m'ont pas fait payer. Ils m'ont rajouté du Nutella partout. Oh, c'était trop bon. J'adore ce dessert. C'est un régal. Et Chouchou, bah, il m'en a piqué, hein, forcément. Il prend pas de dessert, mais il me pique toujours dans mon dessert. Heureusement pour lui, j'étais de bonne foi et de bonne composition. Sinon, je peux vous dire que j'aurais même pas partagé avec lui. Le repas, c'est sacré. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je filme pas quand les plats arrivent et tout. Parce qu'on est tellement pressé de manger que voilà quoi. Ça prime sur la caméra quoi. Bref, j'allais faire un peu de linge, je sais pas si je fais du linge ou si je fais du montage, sachant que ce soir je dois vous mettre absolument un montage, je crois, enfin une vidéo, attendez, ah non c'est pour demain, ouais bref, je suis un petit peu en retard au niveau des montages, j'ai pas envie d'avoir tout d'un coup, et étant donné que cette semaine va être une semaine, je pense qu'il va être pour moi corsé, sachant que vendredi on aura une grosse opération, ce week-end il y aura aussi la grosse opération qui va suivre. Vendredi je serai, j'allais dire de nuit, mais non, je vais commencer à 18h30 pour finir à 20h30. Donc je fais un créneau du soir parce que ça arrange tout le monde. C'est d'ailleurs mon seul créneau du soir hein, depuis 4 mois maintenant. Et voilà, enfin bref, ça, j'ai tellement peu de temps au boulot qu'il faut absolument que tout ce dont j'ai à faire au niveau administratif soit au moins fait pour qu'on soit pas trop dans le caca et que je me retrouve du coup dans le caca aussi vendredi soir. Parce qu'encore, en soi ça me dérange, enfin si j'arrive pas à faire mon boulot, je me dis que ce sera fait par les autres collègues et qu'au pire des cas, ils le feront si c'est pas fait. Mais là, étant donné que je serai là le soir, ça repose un peu, enfin... En gros, le boulot que je n'aurais pas fait la semaine va peut-être un petit peu me peiner sur le vendredi soir. Donc je croise les doigts, hein, surtout parce que j'ai peur que ça foire. Hein, parce que très clairement, on va changer de logiciel et comme par hasard, il y a une grosse opération qui suit derrière. Et c'est l'opération à ne pas rater encore. Donc voilà, j'ai pas envie, je me mets un coup de stress parce que j'ai pas envie
que voilà, que ça soit des bugs à tirer l'arigot, et enfin bref, je voilà quoi, je vais pas éviter, enfin j'ai pas à vous en parler 36 fois, mais vous voyez ce que je veux dire quoi, étant donné qu'on change de logiciel, j'ai pas envie d'être peinée ou que ça me mette une pression de plus, même si le week-end d'après je serai partie pour ma semaine, enfin pour mon stage, je veux quand même partir sur une bonne note et pas partir dépressif quoi. Donc voilà. Ça va mon minouche? En ce moment tu piques beaucoup le lit de Nono, hein? Hein mon minouche? Oui, tu piques beaucoup le lit de Nono. Tous les soirs en ce moment il nous fait la fiesta. Il joue avec un tout petit jeu comme ça, mais ça le fait vriller quoi. Il fait trop rire. Hein mon minouche? Oui mon nini. Faut pas style, t'es calme là. Tu sais, tout le monde sait que t'es pas très très calme en fait. Tout le monde sait que tu fais style. Que tu fais style et que tu nous fais des clins d'œil. Hein? Tu vois, tu nous fais un clin d'œil encore. Hein? Minouche, minou. Je vais mettre sa queue dans la figure. À chaque fois, il me montre ses fesses. Ça, c'est un truc de chat, je crois. Bon allez, montage, linge, montage, je sais pas. Maman, est-ce que tu sais ce que ça veut dire tabou? Oui, ça veut dire un gros mot que, mais arrangé. Donc c'est pas très bien. Il est 6h10. Ouais, viens, t'as pété le canapé quoi. J'ai mis la pâté à chouchou il y a 2 secondes. Avant qu'il se mette sur le canapé, enfin, il s'était assis, je lui ai mis une prise de catch. Ouais, d'accord. Il est tombé sur le canapé. Il est... Regardez ce petit sourire en coin. Tu as été laissé? Hein? Tu m'as laissé? Oui, d'accord. Je vais tirer une nado, moi. Tiens pas. Voilà, tiens. Eh ouais, mon pote à la compote. Je vais te montrer. Mais je tire comme je veux, si j'ai pas envie de tirer fort. Bon, bref. On est allé chez les parents de Chouchou. On a fait des parties de mille bornes et tout ça. Et je vous avais pas montré, mais tout à l'heure, on est allé à Action. Et j'ai... Si, je leur ai dit non, j'avais pris des petites médailles. J'ai pris des petites médailles de... Enfin, en plastique, hein, 69 centimes. Juste parce que quand on joue aux mille bornes avec ben, les parents de Chouchou, on se bat plus ou moins pour avoir la première place. Et là, il y avait un petit sachet de 5 petites médailles et, parce que j'ai pas trouvé. Je cherchais un trophée en fait, j'ai pas trouvé. Du coup, j'ai trouvé un petit paquet de 5 médailles. Et voilà, je leur ai mis la pâtée, mais bien comme il faut. J'étais contente. Et là, on rentre, mais pour une petite. Enfin, pour une courte durée, puisqu'on rentre pour juste doucher les petits. Et on repart là-bas parce que Léa va dormir chez ses grands-parents. Et on va manger aussi là-bas ce soir. Nolan, tu veux bien aller faire ça dans ta chambre comme je te l'ai demandé il y a 2 minutes? Non, elle s'arrête pas. Elle s'arrête pas, cette toupie, elle est magnifique, cette toupie. Elle est trop balèze. Oui, c'est la plus forte. Oui, toi aussi. Vas-y, teste-la comme tu veux. Non, mais j'ai pas envie de la tester maintenant, mon chéri, parce que je t'ai dit que je voulais que tu ailles dans ta chambre pour faire ça. Donc toi, t'essaies de m'entourlouper. Moi, je me laisse pas eu, c'est tout. Bon, voilà. Du coup, le vlog va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain. Demain. Oui. Super, magnifique. Allez, inarrêtable cette toupie. C'est génial. Un petit clin d'œil. Oui, demain midi. Oui, à toupie feu, d'accord. Demain midi, on est invité chez les parents de Chouchou encore pour aller manger le fameux poulet basket du dimanche midi. Et bon, après, on va ramener Léa et tout. Donc, ça va être un petit dimanche. Mais du coup, je pourrais le cumuler avec ce vlog là, sachant que j'ai pas grand chose au niveau du contenu. Et voilà quoi. Moi je vais dans mon arène. J'ai raté mon Dyson. Si vous saviez à quel point j'ai les boules. Après j'ai plus ou moins négocié avec Chouchou. Chouchou était prêt à mettre pour le Dyson, ne serait-ce que pour vous savez le Père Noël et tout après derrière. On s'est dit que peut-être c'était possible, envisageable. Moi j'aimerais bien avoir un Dyson pour Noël. Hein. Ça me ferait vraiment plaisir. Peut-être. Qu'est-ce qu'il raconte? Peut-être. J'ai dit peut-être. Non, peut-être. Non, peut-être, ça veut rien dire, chérie. T'as dit ça. Oui, d'accord. Peut-être. Voilà. Bah après, je me dis qu'il y a aussi le Black Friday, parce que je l'ai vu dans les commentaires. Je crois que c'est Cindy qui me l'a dit. Si, c'est vrai que j'ai pas pensé du tout à attendre les promos du Black Friday. Donc, je sais pas, je me tâte, on verra bien.
Après je me dis que j'aurais peut-être pas une aussi belle offre avec des accessoires en plus et tout, donc on verra. En attendant je continue mon aspi traîneau. J'ai les boules mais c'est pas grave. Voilà, de bon matin, dimanche matin, on va se regarder le match de la France avec Chouchou. On s'est levé pas exprès hein, parce qu'on a été surtout réveillé par Nitro ce matin qui à 7h57 nous a réveillé en grattant dans sa litière comme tous les matins. Encore hier, enfin ce matin c'était moins tôt que les autres matins parce que d'habitude c'est aux alentours de 6h. Hier Chouchou était réveillé à 6h ou même plus tôt je crois à cause de Nitro encore. Déjà qu'il se lève lui tôt, je vous raconte pas l'état de nerfs qu'il avait. Là je suis en train de préparer le petit déjeuner de Nolan parce qu'il vient de se lever. Nous on va regarder du coup le match. En attendant on a fait du montage, enfin moi j'ai fait du montage. Chouchou a regardé à jouer à la Xbox. Et on peut peut-être allumer un petit peu, ouvrir. Bah oui, on va ouvrir un peu. Voilà, je vais éteindre les lumières. Hop, c'est peut-être un peu mieux. J'ai trois lampes? Oui. Où? Ah oui, mais l'autre elle est pas branchée, chérie. Il parle de ça là-bas. J'ai un lampadaire, enfin une. Comment on appelle ça? Un halogène. Attendez, hop, par là. L'halogène là. Après j'ai la petite lampe et l'autre petite lampe là. Bref, du coup je prépare le petit déjeuner de Nolan. Chouchou et moi on va déjeuner aussi. Je pense que je vais proposer à Chouchou qui... Tu veux un donut ça? Tu veux quelque chose? Rien du tout? Le régime Chouchou. Moi je prends un donut parce que je suis pas au régime. Et voilà, on va regarder le match tranquillou. Et je reprendrai le montage après. Chouchou reprendra son activité favorite sur la Xbox. Il s'est acheté un nouveau jeu en fait hier. C'est pour ça qu'il y joue absolument, enfin tout le temps. Il s'est acheté un jeu, alors il l'a pas acheté dans le magasin où il achète tout le temps ses jeux parce que pour le coup le monsieur ne l'avait pas, enfin, ou alors trop cher. Du coup il a acheté à Carrefour, c'est pour ça qu'on était à la Carrefour, puisqu'il était beaucoup moins cher à Carrefour, il y avait 20€ de différence. C'est pas pour toi, c'est pour... Oh non. Tu vas y voir quelque chose là si tu t'assois là? Je pense pas. Hein. Tu veux pas regarder le match? Non. Non, c'est parfait. Je pense que moi je vais faire le linge. Pendant qu'il y aura le match. Bref, du coup il a acheté à Carrefour. Et il s'est acheté quoi? Tu peux me dire ce que t'as acheté, chérie? Je me rappelle plus. Ghost, ouais. Ghost je sais pas quoi. Attendez, ouais. Je vais... Ghost Recon Point Break. Breakpoint. Ça il s'est acheté. Hop. Pour celles qui sont à fond Xbox, ou enfin qui ont des mecs qui sont Xbox. Chouchou il joue à ça en ce moment du coup. T'es aux Oreo? Oui, 2 minutes, j'ai pas fini. Ouais. C'est ça, ben, comme d'habitude. C'est ça. Maman, votre serviteuse. Votre servante. Oui, c'est ça. C'est toujours moi qui suis debout parce que de toute façon, vous me laissez pas m'asseoir. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai une place là. quel endroit ce gosse. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Bref, je vais manger mon donut et je vous reprends tout à l'heure. Tout à l'heure, on va rejoindre Léa qui elle est restée dormir chez papy mamie. Et voilà, à midi on mange poulet basquez. Je suis trop contente, j'adore ça en plus. Bon ben c'était limite hein. On a gagné mais de peu hein, ce fameux match Tonga-France. Du coup on est en quart de finale, bon c'est mieux que rien. Je vais aller ouvrir mes volets parce que du coup il est midi moins le quart. Et on a toujours pas bougé, on est toujours pas douché ni rien, enfin bref. Voilà quoi. Il va falloir qu'on se prépare vite parce que ben on va chez papy mamie quand même là à midi, enfin on est attendu. Alors il savait qu'on devait regarder le match donc ça va encore. Pardon, j'ai fait un peu beaucoup de bruit. Hop. Ouh, il fait pas très beau encore. C'est pas terrible. Il peut pas, mais à mon avis il va pleuvoir quelque chose tout à l'heure. Ou alors ça va se lever, mais limite quoi. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, c'est pas terrible quoi au niveau du ciel. Bof quoi. Bref, je vais aller me préparer du coup. J'ai pas tout à fait terminé mon montage, mais on est le 6 en ce moment même où je vous parle. On est le 6, donc j'ai un vlog de près pour ce soir. C'est plutôt cool. Faut vraiment que je me mette à fond dans le montage là parce que... Je suis vraiment limite au niveau des dates et à chaque fois je m'y prends vraiment au dernier moment. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu du retard dans le montage puisque en règle générale là en ce moment j'en avais deux voire trois d'avance. C'était plutôt cool, c'était moins stressant aussi, même si je me mets du stress mais c'est du bon stress. Et,
Et voilà, mais ça c'est parce que j'ai pris 2 jours de repos, hein, voilà. Après il faut rattraper le retard quoi. Donc voilà, j'allais me préparer, j'allais mettre un pantalon à l'arrache. Ouais, j'ai pas pu mamie de toute façon, donc c'est pas non plus une grande représentation, mais je voudrais me trouver des fringues quand même correctes. J'ai tellement plus grand chose au niveau des t-shirts et tout et des hauts que je sais pas quoi me mettre. Je sais vraiment pas quoi me mettre. Bref, déjà j'allais me brosser les dents, me laver un petit peu et puis après je vous reprendrai quand je serai prête ou alors je vous reprendrai tout à l'heure. Ce soir je pense quand on sera rentré parce que bah, évidemment encore une fois je vlog pas spécialement chez mes grands-parents. Chez les parents de chouchou. Donc voilà, je vous reprendrai tout à l'heure quoi. Regardez-moi ce teint pourri. Regardez ça. Avouez que c'est un temps pour manger des crêpes, faire des siestes et ne pas trop bouger. Non, en tout cas pas bouger beaucoup plus quoi. On est rentré du coup assez tôt à la maison pour se mettre à l'abri, je veux dire. Ouais, à l'abri quoi. On avait surtout envie de rester tranquille à la maison par ce temps hein, et pas de rester dehors et devoir se prendre la pluie plus tard. Donc on est parti plutôt que d'habitude, histoire d'être au sec. Et là on est rentré, je pense qu'il est 3h, quelque chose comme ça. Ah, il est 3h30 déjà. Le frangin de chouchou m'a filé plein de fringues pour Nolan. Parce que Mathis, en fait il est entre Léa et Nolan. Du coup, bah, étant donné que Nolan n'a plus beaucoup de fringues et que Mathis ne peut plus les mettre, bah, en gros, il me les passe quand elles ne vont plus à Mathis. Du coup, j'ai récupéré plein de fringues de la part de son frangin. C'est plutôt cool. Et après, on est rentré. On est rentré dans la foulée. Chouchou, du coup, il est devant sa Game Boy. On est chacun devant le Game Boy. Là, de toute façon, aujourd'hui, ça va être ça. Nolan et Léa donc, sont sur la Switch. Je sais jamais si c'est Switch ou Swift. Switch. Sur la Switch. Et ah oui, c'est la voiture. Ils sont sur la Switch, mais on leur a mis devant la télé, enfin dans la chambre. Regardez, ils se sont installés comme des petits rois là. Oh, j'ai fait peur à Minouche, pardon. Et ils sont en train de jouer à... C'est Mario le nouveau ? Mario Skate 2. Quoi ? Mario Skate 2 ou un truc comme ça. Mario Skate 2 ? Ouais, ou un truc comme ça. Le nouveau ? Oui, celui-là. Oui, c'est pas ça alors. C'est Super Mario Maker 2. Qu'est-ce qu'elle me raconte celle-ci ? C'est celui-là. D'ailleurs, je pense que celui-ci, je vais le tester pendant que Léa sera chez sa maman. Bah après, vu que je l'apporte avec moi. Oui, ça m'étonnerait, ça que papa y veille. Bref, ils sont en train de jouer devant leur petite Game Boy dans la chambre de Nono. Ils sont installés comme des rois. Chouchou aussi s'est installé comme un roi. Bon, il a pas le plaid encore, mais ça devrait pas tarder. Et c'est ce que j'allais dire. Tu veux que je te tire le rideau, mon petit chéri? On va se foutre dans le noir. Moi, je vais faire du montage, je vais rattraper mon retard. Et voilà, on va vivre dans le noir. De toute façon, il fait aussi noir dedans que dehors. Oui, je sais, chérie. Et voilà. Tu dis au revoir, ma chérie? Oui, pas beaucoup, mais oui. Tu manques à tes obligations, chat. Parce que même Fidji, il a pas à manger. Hein. Eh ben, on peut pas tout faire. On peut pas s'occuper de son chat et de mon chien. Hein? Bon. Il est même pas 8h. On s'en va, on va se coucher, clairement, parce qu'on est fatigué. La semaine va reprendre. On a envie d'être opérationnel. Chouchou a surtout envie d'aller regarder des vidéos Netflix. Et comme j'ai pas envie d'être toute seule dans le salon, je vais avec lui. Après, il y a. Comment ça s'appelle? À la télé, il y a Intouchable. Donc je sais pas trop si je vais pas regarder entre deux, je sais pas. Je vais voir. Ah, tu vas manger au chien? Bah oui, puisque tu nourris que ton chat. Mais vous savez quoi? Elle a pas de cache-tétis. Arrête! Oui, en fait. Allons ça. Merci, chérie. Merci. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ramené Léa. Et comme je vous ai dit qu'on était un petit peu en train de tout staffler chacun de nos écrans, j'ai enlevé mon soutien-gorge parce qu'il était à moitié cassé. Enfin, j'avais une espèce de baleine là qui s'était enlevée. Et arrête! Oui. Et du coup, je l'ai enlevé. On partait ramener Léa. Et j'ai oublié de remettre mon soutif. Du coup, je suis partie sans soutif. Et chez nous, on dit que ça s'appelle un cache-tétif. Hein, depuis qu'il est tout petit, Nolan. Changer cette poignée, là. Oui, bah tu. Et c'est qui l'homme de la maison? C'est pas moi. Bref. Oh, mais va faire pipi. Bref, et du coup, depuis que Nolan est tout petit, les soutiens-gorge pour lui, ça s'appelle des cache-tétis. Chouchou ayant sucé, il l'a dit à Nolan. Et Nolan a jugé bon de dire que c'était une nouvelle extraordinaire. Il l'a dit à Léa. Enfin bref, tout le monde l'a su en gros que j'avais pas de soutien-gorge. Bon, après, en soi, c'est pas. Je m'en fiche un peu. Mais c'est vrai que je suis gênée de sortir sans ça. Enfin, je sais pas vous. Ah, oh, t'es méchant.
N'importe quoi, je les ai pas aux genoux. Bref, je vous passe les détails parce qu'il va, me fatiguer la vie, il va partir dans des détails catastrophiques. Donc on va éviter parce qu'on est quand même sur YouTube, il y a quand même des gens qui nous regardent, qui nous suivent et puis bref. C'est, je suis mieux quand j'ai pas mon soutif, je suis mieux à la maison. Et quand, sinon à la maison, à l'extérieur, je préfère quand même avoir un soutif quand même. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va aller se coucher. Je suis désolée si le vlog a été un petit peu rikiki, enfin sans trop de mouvement. Mais bah voilà, aujourd'hui on a chillé complet, on est resté devant nos écrans chacun de notre côté. On s'est bien entendu pour tout, enfin bref c'était calme, c'était posé, c'était sans bruit. Chacun a trouvé son bonheur et pour le coup bah, ça a fait du bien à tout le monde. On s'est tous reposés et en même temps on a fait ce qu'on avait envie de faire, donc c'est plutôt cool. Et voilà quoi, tout simplement. Du coup je vais vous laisser là parce que je vais aller me coucher, enfin je vais me débarbouiller, tout ça, coucher Nolan et tout. Après je vais me coucher. Du coup je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez gros bisous. Ciao.